Ok, j'y suis. Messager. Il paraît que tu bosses de nuit maintenant. Gardez la foi. On va gagner, j'en suis sûr. Du Semtex, composé B, et un tas d'autres trucs que je connais pas. Et tu crois que c'est sûr ? Juan ne jure que par ça. C'est un de ses cocktails signatures. Si vous voyez quelqu'un recevoir des gens pendant le coup, c'est immédiatement. Semez les soldats ailleurs. Uranium, allez, sur le dos. Garde espoir. Y a quelqu'un ? Ouais. Peut-être un peu plus. La réponse est toujours autant que. On pose des explosifs là, là et là. Le discours commence, on fait tout péter, on crée un cercle de flammes plus brûlant que le cul du diable autour de cet hôtel. Et donc ? Les hommes de Castillo peuvent pas sortir et les renforts pas rentrer. Et Danny est au cœur de l'action. Et après ? Danny tue El Presidente. C'est magnifique. Salut, Danny. Danny ! Regarde ce joli supremo ! Tu veux que je tue Anton Castillo, aujourd'hui ? Anton fait son discours annuel pour le jour de l'indépendance à l'hôtel Paraíso, en direct. Juan a des informations sur l'emplacement exact de tous ses gardes. On fera pas mieux comme opportunité ! On va couper la tête du serpent et faire des bottes avec sa peau. Mierda ! Et t'es d'accord ? Pour tuer un dictateur qui a volé nos terres et qui a fait de nous des esclaves, ça s'envisage, oui. T'en penses quoi ? J'ai encore jamais tué de président. C'est un assassinat, Danny ! La cam des rebelles ! Merde, j'ai besoin d'une douche. Et toi, de ça. Tu vas devenir une légende pour les guerrieros. Je t'appelle ! Il s'emballe, là. Il a raison. Si Castillo meurt, Libertad profitera du chaos. Et après ça, qui sait ? Qui sait ? Va exterminer cette sombre merde. Viva Libertad. Danny, il faut poser ces explosifs au poste de contrôle. Trouve les générateurs, ça pète bien. Ok, très bien. Et comment je les amorce ? Pas la peine. Clara et moi, on a des guerrieros qui posent des bombes dans tout Esperanza. Ce sera un concerto pour Semtex. Toi, t'es le tuba, moi le chef d'orchestre. Vamos, Danny ! Franchement, je comprends rien à tes métaphores débiles. Le Vidiron fait le succès économique de Yara et il aide le monde. Participez à l'effort national. Tire, Ilo. Montre-moi ce que tu veux. Trop facile. Ah!
adressez vos demandes éventuelles au gouvernement militaire d'Esperanza. Un état de loi martial. Adieu, renfort. Mon ingénieur. Si l'un des membres des FND vous donne un ordre, vous devrez obtempérer sous peine d'exécution sommaire. Allons jeter un coup d'œil. D'artifice pour notre anniversaire. Juan, les colis ont été livrés. Tu bosses à la poste ou quoi? Dis-moi juste, Juan, j'ai posé les bombes. Je viens de t'envoyer une photo de là où tu peux me trouver. J'arrive. Je suis sur les toits en face de l'hôtel. Si t'as oublié ma tête, cherche le visage du père parfait dont t'as toujours rêvé. Juan, tu veux plutôt parler du tonton alcoolique? Je suis sobre depuis 6 heures. Mauvaise langue.
doit être signalé au PDP. Les idées nocives se répandent si on ne les arrête pas. Especial para Yara del presidente Castillo. Yara est une famille. Comme dans toutes les familles, nous nous aimons. Mais l'amour n'est pas inconditionnel. Ses membres se doivent d'être honnêtes les uns envers les autres, d'être francs, d'être vigilants. Lorsqu'une famille s'égare, on s'abuse de corriger ses erreurs. Avec leurs mensonges, les terroristes de Libertad ont détourné trop de familles du droit chemin. Si un Yaman est fait par les mensonges de Clara Garcia et de ses terroristes, il est de votre devoir d'en informer Los Protectores de la Patria. Ce n'est qu'ainsi que notre famille sera protégée du charme toxique, du chaos et de l'imposture. L'armée fera appliquer d'une main de fer l'état d'urgence à Esperanza. Obéissez aux règles. Ne sortez pas dans la rue. Proche de Juan. Please! Allez, au revoir! Oh.
On emmerde le plan. Je fonce. C'est autant inconscient que complètement con. J'adore. Les charges sont posées. Vous êtes prêts? Un coup fin pour tout le monde. L'hôtel est tout à toi, Danny. Et n'en ressors pas sans la tête de Castillo, d'accord? Vous m'avez élu pour rebâtir le paradis. Et c'est vous,
mes chers frères Yaran, qui m'aidaient à atteindre ce rêve. L'appel à rebâtir le paradis est un grand succès. Aujourd'hui, nous produisons un traitement anti-cancer. C'est l'heure de prendre l'ascenseur. Fébrilement. La demande en viviro ne fait que croître. Nous avons déjà commencé à bâtir une capitale qui honore notre passé tout en se tournant vers l'avenir. Nous nous approchons du paradis. Pourtant, une fois encore, une autre soi-disant révolution, un autre groupe de terroristes, une autre bande de faux Yaran. Libertad. Dani, qu'est-ce qui se passe? T'es entré? J'y suis. Tu vois Anton? Dani! Non, je vois personne. Clara, le discours était enregistré. C'est un piège. Les soldats d'Anton viennent te choper. Tire-toi vite! Le bateau, je te reconnais. Je te croyais mort. J'ai toujours eu de la chance. C'est quoi ton nom? Dani, et toi? Tu devrais déjà le savoir. T'es là pour tuer mon père. Si mes souvenirs sont bons, t'as essayé d'abandonner ton père. J'aurais pas dû. Pourquoi? Parce que... c'est toi qui as de la chance. C'est un monstre, Diego. C'est son éducation. Et pas la tienne. Je sais que tu me tueras pas. Ça dépend de si tu recommences. Quand je fuis... il me trouve. Quand il me trouve... des Yaran meurent. Tu ne comprends pas, il me laissera pas partir. Quel âge t'as déjà? Tu as de la famille? Non. Et toi, Chamako, t'en cherches une? Ne restez pas à Yara. Il vous tuera tous jusqu'au dernier. Mierda. Reste bien caché. Par là. Un dictateur. Gracias. Hey, Dani. Mon père est malade. C'est pour ça qu'il est pas là. On l'a. Je sais que t'es là. Allez, montre-toi. Wow, elle est toute beauté. Je vais pas me priver, Castillo. Clara, je suis encore en un seul morceau. Dani, comment t'as pu t'en sortir? Embuscade de Castillo. Mais je lui ai piqué sa caisse. Il l'avait pas vu venir. Elle sent le dictateur périmé. On n'a pas eu Castillo, mais son régime en a pris un sacré. Dis plutôt que son régime s'est pris un putain de coup de latte dans les couilles. Va te payer une bière, tu l'as bien mérité. Hey, tu savais que Castillo était malade, toi? Non, vraiment? J'ai entendu des gardes en parler. C'est bon à savoir. Je te tiens au courant. Chacune de nos actions rapproche Yara de la liberté.